Je voulais vous présenter un ami, un compagnon de mon enfance. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Voilà. Bon, j'espère que vous l'avez bien vu et reconnu. Voilà, c'est un grand-duc. C'est un grand-duc, l'original, pas ce dessin, mais évidemment l'original, a déployé ses ailes dans mes Pyrénées natales. Des ailes d'une certaine envergure, 1,80 m. Et justement, c'est son problème parce qu'en déployant ses ailes, eh bien, il a rencontré des lignes électriques et il s'est électrocuté. Quelque temps, enfin très vite, mon papa l'a trouvé, l'a fait empailler et voilà, il était chez nous, dans notre maison. C'est pour ça que c'est mon compagnon. Maintenant, j'ai le dessin, je me contente du dessin. Eh bien, des grands ducs, comme les moyens, comme les petits ducs, il n'y en a plus dans mes montagnes, dans mes Pyrénées natales, il n'y en a plus. Ils ont disparu. Ils ont disparu parce que leur mode de vie est incompatible avec le mode de vie des hommes. Cette histoire, elle est valable en Picardie, elle est valable malheureusement dans le monde entier, parce que des espèces disparaissent dans le monde entier, parce qu'elles ne peuvent pas cohabiter avec l'homme. Il me semble que pendant cette semaine, loadout aussi, ce qui serait formidable, c'est que chacun d'entre nous prenne conscience que notre mode de vie est problématique pour la conservation de notre maison commune, comme l'appelle le pape François. Notre maison commune, tout le monde doit pouvoir y vivre, y compris le grand-duc. Donc ce serait formidable que pendant cette semaine, chacun d'entre nous, nous prenions conscience de cela et essayer de réfléchir et passer à l'acte, qu'est-ce que nous pouvons faire, chacun à notre niveau, pour conserver préserver cette maison commune. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine, Laudato si, et je vous dis à très bientôt. No, no.